Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous préviens tout de suite, on va parler d'un sujet qui dérange puisque je vais vous parler du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet publié aux éditions Fayard. Je vais faire un petit disclaimer tout de suite avant de commencer cette vidéo parce que ça me semble primordial et parce que je veux aussi vous expliquer pourquoi je filme cette vidéo aujourd'hui. Le livre Les Fossoyeurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je pense que oui puisqu'il fait grand bruit en ce moment, que ce soit dans la presse, dans les médias, il est absolument partout. Vous avez peut-être croisé d'ailleurs la couverture des Fossoyeurs sur les tables de vos libraires ou dans vos supermarchés, dans vos rayons culturels, peu importe. Les Fossoyeurs, c'est en fait un témoignage et une enquête qui a été menée par le journaliste Victor Castanet et qui parle de la condition en fait des personnes âgées dans les EHPAD, la manière dont sont gérées les EHPAD et notamment les EHPAD du groupe Orpea. Ici, je n'ai pas du tout pour vocation d'aller attiser la haine de personnes qui pourraient tomber sur cette vidéo par hasard. Je vous partage mon avis sur ce livre, en fait, qui est un témoignage et qui est une enquête qui a été menée pendant 3 ans, documentée évidemment. Voilà. Mon objectif n'est pas de heurter. Mon objectif n'est pas de vous forcer à prendre position sur ce type de sujet, puisque je sais que c'est un sujet sensible. Simplement, si vous commentez, si vous avez lu ce livre, si vous avez des choses à dire, et que vous souhaitez laisser un commentaire, soyez dans la bienveillance, pas dans la haine. Ici, on est là pour discuter. C'est un échange constructif qu'on cherche à avoir sur cette thématique-là, mais c'est surtout sur ce livre. L'idée n'est pas ici d'attiser la polémique qu'il y a autour du groupe Orpea. Je pense qu'ils sont capables de se défendre eux-mêmes. Chacun est en droit d'avoir son avis, sa position sur ces sujets-là. Mais voilà, je voulais vous dire tout ça. Ce que je vous dis là reflète mon avis à moi, ce que j'ai pensé de ce livre, peut-être mon avis tout court sur cette situation, mais n'engage que moi et n'a pas du tout pour vocation de venir susciter un débat monstrueux. En commentaire, vous avez le droit d'avoir votre avis, qui diffère du mien peut-être, mais vous avez surtout le droit d'être bienveillant et voilà. Sur ce, on va pouvoir commencer. Je vous disais donc, je vais vous parler aujourd'hui du livre de Victor Castanet, publié aux éditions Fayard, nommé Les Fossoyeurs. Je vous montre juste ici la couverture en fait de l'ouvrage, puisque je l'ai lu en numérique, je n'ai pas le livre papier avec moi, mais vous avez sûrement dû le croiser, parce qu'en ce moment il fait partie des top ventes du moment, et c'est bien normal puisqu'il traite d'un sujet extrêmement polémique, extrêmement sensible, puisqu'il s'agit de la gestion de la gestion des EHPAD par le groupe Orpea et notamment de la condition des personnes âgées au sein des EHPAD Orpea. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai voulu lire ce livre, tout simplement parce que j'en ai beaucoup entendu parler dans la presse, à la radio, dans les médias, aux infos. Je suis le travail de Victor Castanet, qui est un journaliste d'investigation indépendant. C'est un journaliste qui est engagé sur des sujets sensibles et dont j'aime le travail, dont j'aime la plume, dont j'aime la réflexion. Et j'avais envie du coup de voir ce que ce livre dont tout le monde parle pouvait donner. D'autant plus que je m'intéresse à ces questions de la condition des personnes âgées. Vous le savez, enfin vous ne le savez peut-être pas si vous ne me suivez pas sur les réseaux, mais je suis aussi rédactrice médicale, je travaille auprès de professionnels de santé et de médecins. J'ai travaillé notamment sur des thématiques en rédaction, sur des thématiques en gériatrie, sur la dépendance, etc. Donc ce sont des sujets qui m'intéressent à titre personnel également, puisque je suis entourée de personnes qui pourraient être amenées un jour ou pas à vivre dans un EHPAD. J'ai connu aussi, voilà, comme beaucoup de gens, je pense qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou on a tous quelqu'un dans sa famille qui peut-être vit dans un EHPAD. Et en fait, c'est un sujet qui est assez universel parce qu'on est tous confrontés un jour à la dépendance, à la vieillesse, que ce soit par nos proches ou nous-mêmes, en fait, à terme. Et je trouvais important, en fait, de lire un livre qui parlait de ce sujet fort, et l'angle sous lequel il était abordé m'intéressait énormément. Qu'on soit clair, je n'ai absolument rien contre le groupe Orpea, je n'ai pas rien du tout contre les EHPAD en général non plus, primordial pour nos aînés et pour les personnes qui en ont besoin tout simplement. J'ai commencé cette lecture il y a une petite semaine, pour les raisons que je viens d'évoquer et sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais j'avais un petit peu pas des a priori, mais j'avais peur que ce soit du sensationnalisme. Pourtant, je suis le travail de ce journaliste et je sais qu'il est quand même extrêmement sérieux dans sa démarche. Et du coup, j'avais pas trop de doutes sur la manière dont il avait mené cette enquête, mais j'avais peur que les éditions Fayard en aient
aient fait quelque chose de sensationnel, qu'ils aient choisi de publier ce livre parce que ça faisait un peu de bruit, parce que voilà. Il faut savoir que les éditions Fayard ont une collection de documentaires et de livres comme ça qui traitent de sujets de société. J'aime beaucoup cette maison d'édition pour ça. Entre autres, c'est une maison d'édition assez ancienne et qui sait se positionner sur des thématiques importantes quand il y en a besoin. Et ça a été le cas pour Les Fossoyeurs. Je ne peux d'ailleurs que saluer le travail de cette maison d'édition parce que le sujet qui est traité, la prise de risque éditoriale, parce qu'on va pas se mentir, quand on publie un livre de ce type-là sur un sujet aussi tabou, aussi sensible, et qu'on se confronte surtout à un groupe de la taille d'Orpea, qui est quand même un mastodonte dans le secteur des EHPAD, puisqu'il s'agit du premier groupe en Europe, en France, pour les résidences EHPAD. Du coup, c'est vrai que c'était quand même très courageux de la part et de l'éditeur et du journaliste qui, au-delà de son travail d'enquête, a quand même pris un risque au niveau de sa carrière, le risque d'être intimidé, le risque, enfin voilà, qui a pris des risques de manière personnelle pour pouvoir s'engager dans cette enquête. Et du coup, il faut vraiment saluer le travail de ce journaliste. C'est aussi pour ça que j'ai lu ce livre, parce que un journaliste qui s'engage sur des causes qui sont importantes pour lui et qui sont des causes sociales et vraiment primordiales, honnêtement, ça vaut le coup au moins d'aller soutenir son travail, même si le sujet est difficile. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu énormément de mal à lire ce livre, pour la simple et bonne raison que ça a fait écho à beaucoup de choses que je savais déjà, pour les avoir aperçues ou entreaperçues. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a des choses qui m'ont rappelé des choses que j'avais pu connaître ou que j'avais pu voir dans mon parcours de vie. Et c'est vrai que c'est très difficile à lire. Il y a des moments qui ont été pour moi très difficiles à lire, parce que on parle pas seulement d'un groupe qui gère à sa manière des établissements EHPAD, on parle aussi de la condition dont sont traités des humains, comme vous et moi, des personnes en situation de dépendance, des personnes dans des situations de santé, dans des situations parfois de précarité liées à l'âge, qui est importante. Je parle pas de précarité financière, parce que les EHPAD Orpea sont quand même globalement des EHPAD, enfin il y a quand même beaucoup d'EHPAD haut de gamme, et celui entre autres dont il est question dans cet ouvrage est un EHPAD assez, on va dire assez cher, voilà, assez onéreux. Mais globalement, c'est saisissant en fait. C'est saisissant parce que c'est un sujet universel, c'est un sujet qui traite, qui concerne plus ou moins tout le monde. Et c'est vrai que la manière dont Victor Castanet a abordé est à la fois très brute, parce que on a les éléments sans filtre. Il a réuni plus de 250 témoins au fil de son enquête pour avoir des témoignages fiables, des sources fiables, de la documentation, il a des enregistrements, enfin bref, il a vraiment mené sur cette enquête-là pendant plus de 3 ans. C'est quand même un bout de carrière immense dans une carrière de journaliste de se sacrifier sur un sujet pendant autant de temps. Et c'est vrai que parfois la brutalité des propos de certains de ces témoins, le côté sans filtre, le côté brutal en fait de certaines déclarations est assez prenant, et je dois vous dire, et je vous le dis d'ailleurs de manière très honnête, si comme moi vous êtes un peu sensible, c'est vrai que c'est un livre qui va être difficile à lire. Je me suis arrêtée plusieurs fois dans ma lecture parce que c'était insoutenable pour moi, parce que je suis quelqu'un de sensible, parce que la détresse des autres me touche, parce que c'est des situations en fait qu'en 2022 on ne devrait plus rencontrer, mais qu'on continue de rencontrer, et malheureusement dont on ne parle pas suffisamment. Et ça m'a heurtée, je vais pas vous mentir, il y a des choses qui m'ont heurtée, mais pour autant, je suis allée au bout de cette lecture parce que le sujet était essentiel. C'est un sujet de société qui est traité de manière à la fois très factuelle, mais en même temps extrêmement bien rédigée, bien amenée. Il y a beaucoup de sensibilité dans la plume de Victor Castanet, on sent que ce sujet, il l'a pris aux tripes, que ça a été quelque chose qu'il a porté pendant plusieurs années, qui s'est investi dans cette enquête. On sent toute la bienveillance qu'il a vis-à-vis de ses témoins, on sent toute l'obstination qu'il a pu mettre pour avoir les informations dont il avait besoin. Vraiment, au niveau de la démarche purement journalistique, chapeau à Victor Castanet pour tout ce travail, parce que ça a le mérite d'être une enquête qui est extrêmement complète, qui ne fait pas de sensationnalisme. Il parle de faits, il justifie des faits par des témoignages, par des rencontres qu'il a eues, par des discussions qu'il a pu avoir avec d'anciens salariés, avec des soignants, avec des familles. Il a vraiment pris à cœur ce qu'il a fait, il a mené son enquête comme un très bon journaliste d'investigation, et ça, vraiment, c'est très important de mentionner, parce que dans des livres comme ça qui parlent de sujets polémiques, parfois on a un côté très sensationnel, on a un côté je veux faire du bruit, je veux parler tabou, et on sent que c'est vraiment fait avec brutalité, et on sent ici qu'il y a énormément de douceur
de bienveillance, un investissement profond de la part de ce journaliste et c'est très prenant, c'est d'autant plus prenant que c'est extrêmement bien écrit, tout est très bien renseigné, bien documenté. Il y a des parties du livre, quand on parle juste du point de vue purement stylistique, il y a des parties du livre qui sont rédigées d'une manière extrêmement sensible, avec beaucoup de douceur, malgré la brutalité, la difficulté des propos qui sont tenus par Victor Castanet. Évidemment, je suis pas là pour vous dire que ce que je pense de cette situation, mais concrètement, j'ai pas été très surprise par les propos, par ce qu'on peut retrouver dans ce livre, parce que c'est des choses, même quand on ne connaît pas le milieu des EHPAD de manière personnelle, comme c'est le cas pour moi, mais quand on n'a jamais eu de proches en EHPAD, etc., il y a des choses qu'on relève, il y a des choses qu'on voit et il y a des choses qu'on retrouve. Donc même si là, ça parle des EHPAD hors PA, il faut savoir que ce qu'il raconte, il y a des choses qui se retrouvent aussi dans des EHPAD publics et certainement dans des EHPAD d'autres groupes. Donc c'est pas l'idée, pas de pointer du doigt cette entreprise qui est un très gros groupe, mais plutôt de dire qu'il y a un problème de fond, il y a un problème systémique sur la gestion de la dépendance, du grand âge, sur la gestion... tout simplement des établissements qui s'occupent de personnes dépendantes ou âgées. Voilà, donc c'est un livre qui m'a vraiment bouleversée, je peux pas vous le dire autrement, et c'est rare, vous avez l'habitude de me voir sourire et de me voir hyper, hyper enjouée quand je vous parle d'un livre, mais ce livre, vraiment, ça m'a mis une grosse claque parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait, d'être confronté comme ça, de manière assez brutale, à des réalités qui sont aujourd'hui évidentes. À qui je recommande la lecture des Fossoyeurs? Très sincèrement, je recommande cette lecture absolument à tout le monde, à toutes les personnes que ces sujets-là intéressent, qui s'intéressent à la situation des EHPAD, à la condition des personnes âgées. Tout simplement des gens qui, comme moi, ont envie d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur des sujets de société, parce que la vieillesse, l'âge, la dépendance, ça fait partie des sujets de société, ça fait partie des sujets dont il faut parler. Et honnêtement, je trouve que c'est une manière... que Victor Castanet l'a fait de la bonne manière. Alors, j'imagine qu'il a été énormément soutenu par son éditeur, enfin, par la maison d'édition, par la directrice de la maison d'édition, par aussi le service juridique, parce que je sais qu'en publiant ce genre de déclaration et ce genre d'enquête, il va se heurter Il va se heurter à la justice, c'est évident, parce que je pense que ce groupe va se défendre. Mais pour autant, vraiment, je tiens à féliciter le travail de ce journaliste. Je ne pense pas qu'il passera sur cette vidéo, mais qui sait. Donc voilà, un grand bravo, et aussi un grand bravo à cette maison d'édition pour tout le travail éditorial. Le livre est extrêmement bien construit, les chapitres sont rédigés de manière très pertinente. On a vraiment plusieurs grandes parties. On a d'abord une partie qui parle de la situation au sein de ces EHPAD, les constats qui ont pu être faits ou rapportés par des familles ou par des soignants. C'est très intéressant aussi d'avoir le point de vue des soignants et des dirigeants d'EHPAD, parce qu'on a tendance à penser que c'est... inadmissible que des dirigeants d'EHPAD laissent faire ça, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils n'ont pas forcément la main sur la direction des EHPAD qu'ils gèrent. Ils ont souvent des comptes à rendre au siège de grandes entreprises et de grands groupes, comme c'est le cas ici. Et du coup, ça donne un regard différent, un regard nouveau sur la situation purement de gestion, en fait, pure de ces établissements. C'est très intéressant d'avoir le point de vue des soignants parce qu'on a tendance à penser que si tout ça se passe, c'est que des soignants sont maltraitants, sont négligents. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne met pas du tout... En fait, ces soignants sont soumis à un système qu'ils ne maîtrisent pas, à un manque de matériel, à un manque de tout, en fait. Un manque de temps, un manque de... Ils s'épuisent au travail et il faut relever aussi qu'il n'y a pas que les personnes âgées dépendantes ou les personnes âgées tout court qui souffrent de ces situations dans les EHPAD. Il y a aussi les équipes soignantes, les directeurs d'EHPAD qui sont parfois également soumis à des contraintes qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est important, en fait, de le dire, parce que dans l'esprit collectif, on a tendance à penser qu'on pourrait régler le problème si on mettait des choses en place, alors qu'en fait, quand il y a des entités énormes derrière comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Donc voilà, il y a aussi des parties qui parlent vraiment de la gestion financière, de tout ce qui a pu être fait et être relevé au cours de l'enquête de Victor Castanet, donc qui est peut-être plus chiffré et plus statistique et plus factuel, mais qui est très intéressant parce que ça permet vraiment de comprendre le fonctionnement de ces grands groupes.
qui, je vous le dis, s'applique ici à Orpea, mais pourrait, je pense, s'appliquer à beaucoup d'autres grands groupes, et notamment dans d'autres secteurs de la santé. Ce qui est terrible, c'est quand même qu'ici, on parle de gestion humaine, en fait. On parle d'une entreprise qui gère des vies, qui est supposée prendre soin des gens, et qui... Voilà, qui a des failles du système et qui profite parfois de choses dont on parle peu. Donc voilà. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Je pense que vous avez compris la grande idée derrière cette vidéo. Je voulais vous dire que juste, c'est un très très bon témoignage, une très belle enquête à lire si le sujet vous intéresse et si vous êtes quand même capable, en capacité, je veux dire émotionnelle, de lire tout ça, parce que c'est quand même assez violent à lire. Mais voilà, c'est une très bonne lecture que je vous recommande. Il est au prix de 22,90€, il est toujours disponible en librairie. Je vous le rappelle, il est publié aux éditions Fayard, rédigé par Victor Castanet. Je vous invite vivement à suivre l'actualité et les interviews de Victor Castanet, qui parle bien mieux que moi de son livre et de son enquête. Mais si le sujet vous intéresse, si vous hésitez encore à le lire, je ne peux que vous recommander d'aller voir juste des interviews de Victor Castanet au sujet de son enquête, et peut-être que ça vous motivera à aller découvrir son travail. Voilà pour cette vidéo. Je suis désolée pour ce sujet un petit peu lourd, un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais ça me semblait vraiment important parce que c'est un livre complètement universel qu'il faut lire. Parce que c'est un livre, tout simplement, c'est une question de société. Et voilà, je vais vous laisser avec ça. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à laisser un petit like, à commenter si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez parler de votre lecture, si vous l'avez vous-même lu, si vous hésitez à lire, ce que vous en avez pensé. Bref, dites-moi ça dans les commentaires. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.